World Championship Series Global Finals are brought to you in part by Republic of Gamers, Corsair, T-Mobile, Samsung SSD, and NVIDIA.98.2 KBR2 라디오에서 교통 소식을 전합니다. 가양대교 북단 근방의 충돌 사고로 인해 강변북로의 가양대교 성산대교 구간 사이에 교통이 심하게 정체되어 있습니다. 다음은 날씨 소식입니다. 7일째 기록적인 무더위가 계속되고 있는데요. 현재 서울시 기온은 38도이며 기상청에서 오후 3시경에는 41도... From Guadalajara, Mexico. Right now I'm living in Korea. This is home. It's basically my home. I've been here for a long time. In a way, yes, it's a sacrifice. There were obviously cultural shocks, living with more people than you're used to, never wear shoes in the house. The food, of course, is very different in Mexico than in Korea. There's sacrifices, but there's benefits to everything. But yeah, I miss my mom and my dogs. When I was a kid in Guadalajara, I would go to this cyber cafe and everyone was playing StarCraft there. I watched one of those old Pro League games, very old. I noticed they are like a million times better than me, doing stuff that I didn't know it was possible when they were playing the game for money and prestige. And it was only in Korea, apparently. I had no clue. So that's exactly when I realized I had to try my hardest here. My goal was to be a Pro League player. So I started working really hard. Eventually, I got a lot better. So I contacted Artosis, and he told me, you can come to Korea. And we joined a team. You know, it was kind of a wonderful moment for Special. He was such an interesting case. Someone who lives in Guadalajara, Mexico, who just worships Korean pro gamers, studying them day and night, practicing his butt off to finally get accepted into a KESPA team, into Team 8. I think it was my happiest day in my pro gaming life. And when I got there, yes, I was pretty nervous because I knew no one. They speak actually no English, zero English. So it was hard to communicate. 후원 선수를 처음 봤을 때 워낙 체격이 크고 덩치가 있다 보니까 처음엔 되게 많이 무서웠습니다. 솔직히 얘기하면은 28살인 줄 알았습니다. Maybe because he's this little Korean and I'm this massive dude, I guess. 그리 오래 걸리지 않았던 것 같아요. 한 일주일 정도 지내보니까 누구보다 순수한 선수였고 게임에 대한 열정이 굉장히 많은 선수인 거를 바로 알 수 있었습니다. As the weeks passed and the months, I had a bunch of problems because I was winning no games. I was actually just complete trash. I was getting good practice. I was doing everything they did. You know, I know I'm not the most skilled player, but I work very hard. Why I'm losing these matches? So I started questioning myself, but I was just not good enough for Pro League, I think. So it was a little frustrating, but I knew it was true. I think they respected at least that I tried my best, but I was just not good enough. This was when they got the new sponsor and they wanted to cut some players. I was one of those. Unfortunately for Major, he could not handle the early pressure. Yeah, and then I remember the day I left, I was crying, I was very sad. So they were comfortable. So that's when I went home, and because my dream was to be a Pro League player. Yeah, the chances come. Well, when I got home, I was just floundering around, like playing sometimes, not going to tournaments. Watching them play on TV just felt like this could have been me. It was just not the same. What's the point of just keep playing to play? It used to be one of the rest. I don't want to be one of the rest. I was very like inconsistent. I was not enjoying playing from my home anymore. So I knew I needed something to change. I remember Jake told me like, we're gonna open a house. And I thought about it for a long time. And I knew like, the only way to get better is to be in Korea.
I decided to go to the team house. The first time I met Juan, he expressed interest in coming to the team house in Korea. Our team house is it's an open environment for anyone who truly wants to put in their 100% into the game. I wasn't expecting a guest spot at team house, obviously, because I knew that was not going to happen with a bunch of foreigners or whoever was going to live there. I thought that if I took what I learned to Korea, again, applying my knowledge to improve my game will help me. He's put in probably, on average, every day 12 hours. No one makes him practice 12 hours a day. That is his own dedication. He's the only one who sticks to a KESPA regiment now. And there's, you know, Koreans from KESPA teams that don't do it. I think the reason why I got a lot better when I moved to this team house is because all those years that I've been wandering around, I've been getting this anger from thinking back to the day that I could have done better. So I wanted to prove myself. No, at least he got the plan pro league, he got the shot. It was like a revenge, you know? I knew, like, if I had more time, I could have done better. So I started working really hard. I started to practice with my friends, play ladder, starting to do good. And I think I kind of proved my point. Like, just look at me. Back 2 years ago, I was just like a normal player. Now if you look at me, I'm a well-established player. 노력하고 항상 발전하기 위해서 끊임없이 고민하는 선수인 거를 제가 알기 때문에 충분히 2018 블리즈컨에서 우승할 수 있을 거라고 장담할 수 있습니다. Under the right circumstances, yes, I could win this game. I always dream of winning. I just think like winning and lifting the trophy and get my big paycheck. I am living my dream, yes. I think I'm living my dream. I don't think there's a better job than this for me. It's mostly passion and trying to achieve something great. My name is Juan Carlos Tena Lopez, and I'm a StarCraft II pro gamer. Et nous sommes de retour sur OGaming SC2 pour la suite de cette opening week de la BlizzCon avec le match de ce joueur que vous venez de voir en Signature Series qui a connu bien des mésaventures pour en arriver où il en est désormais et il va faire face à un adversaire de taille, le champion en titre de la BlizzCon, Jinergen Wings Rogue. Un match d'anthologie sans aucun doute en BO3 et qui sera du coup commenté par Funka et Yogo. Messieurs, cette rencontre, qu'est-ce qu'on en pense ? Alors Yogo, tu veux commencer ? Tu veux nous donner ton analyse de la série ? Tu vois, alors Rogue, il a fait une année un peu timide, voilà, mais comme beaucoup de joueurs, on l'a dit, timide parce qu'en fait Maru était là. Tu enlèves Maru, enfin Rogue, c'est un peu comme Zez, si tu enlèves Maru, potentiellement, ça gagnait de la GSL. Genre, cette voilà, année, ouais. Déjà. Ne serait-ce que dans la progression dans le bracket qui, à laquelle il est arrivé. C'est ça, sachant qu'il gagne déjà quand même Katowice en battant Maru. Ouais. Et il fait la demi-finale en WEG, puis après il perd en quart contre Maru, il repère en demi contre Maru. Finalement, sa seule défaite au-delà de Maru, ça reste contre Inno en Super Tournament. Sinon, à côté de ça, genre, il massacrait les gens. Même s'il était timide. Et là, c'est genre. Il a eu un passage à vide en début d'année avant Katowice. C'est ça. Voilà, c'est le seul truc. Lequel il a été clairement dit je suis parti en vacances. C'est ça. J'étais pas 100% focus sur le jeu. J'étais en mode chill. Ouais. Et il est revenu, tu vois. Et bien, tu vois, non, finalement, il ne retraite pas plus que ça. Et d'un coup, tu vois, d'un seul, tu le revois pas dans tous les tournois online à défoncer tout le monde. Tu fais ah, ok, bon, on est à un mois de l'event, tu te rentraînes. Ouais. Direct, j'étais changé mon power ranking, je l'ai mis deuxième. Hein, tu vois, genre, j'ai même fait descendre Sierra en mode. Là, j'ai peur qu'on retrouve le Rogue de l'année dernière, le monstre de puissance qui n'a que seule limite, finalement, Maru, voilà, une nouvelle fois. Donc, j'apprécie énormément Special et qui est capable de sortir des stratégies de ouf, et qui va peut-être nous faire des ghosts, genre, je sais pas dans quelle mesure il est capable d'abattre Rogue. Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis, au global. Rogue, c'est quelqu'un qui peut arriver avec une préparation totale. De toute façon, c'est un joueur qui s'est transformé, en fait, Rogue. Hein. Genre de 2015 à 2017, quand il gagne la BlizzCon, en fait, on a une progression. On a un Rogue qui évolue en tant que joueur plus global, capable de faire tout, alors qu'il était avant toute chose un joueur très tricky, qui était très efficace en Pro League à l'époque. Et c'est aussi grâce à lui hein, qu'il remporte le titre sur la dernière année d'existence de la Pro League. C'est un mec énervé, Rogue. I think Rogue is better than Serral, so if we practice together, I think I'll win. Ça c'est intéressant parce qu'on a pas Maru dans ce BO et pourtant il y a cette petite gemme, cette petite info qui est aussi qu'il faut prendre en compte. Rogue c'est le champion en titre, c'est quelqu'un qui a fait une très bonne année en dépit de son passage à vide de début. Il est le champion du monde en titre, champion WSS 2017
en titre. Et pourtant, j'aime tellement son adversaire. Et en plus, il peut practice avec Maru, avec SOS, avec la meilleure équipe du monde, puisqu'il fait partie de Jiner, la dernière équipe qui n'est pas encore en place. Mais en face, il y a un mec tellement adorable et dangereux à la BlizzCon et en match placé, c'est spécial. Spécial quand il a de la préparation l'année dernière, il upset TY par exemple. Dans un autre match-up, dans une autre méta, tout ce que vous voulez, en TVT, il upset. Et il fait demi-finale, même s'il avait joué du coup c'était le Polonais en quart de finale, merci, Elazer. Il fait quand même un top 4 l'année dernière, donc c'est un match qui n'est pas gratuit et pourtant Rock devrait être le favori ultime au vu de tout ce qu'on a dit. Une belle année et le fait que de façon sur son chemin il n'y avait qu'un génie, c'était Maru, c'est le génie à abattre aussi dans cette BlizzCon. En face, c'est le bon vieux Carlos Moreno Lopez. C'est un joueur qui est capable de faire de la bio, du mecha, du proxy, qui est capable de faire du ghost. Il est complet de ouf. Il est complet de ouf et plus que complet en fait, il est capable de faire des trucs que personne n'a jamais fait avant lui. Il est capable de créer des build order pour l'occasion, ce qu'il nous a montré l'année dernière et ce qu'il nous montre en fait tout au fil en fait des méta. Donc genre pour Rogue, il a clairement un adversaire qui va devoir être pris au sérieux. Maintenant voilà, genre je pense que le choix DBO va presque être crucial voire décisif. Il va falloir sortir les bons tricks du côté de chez Special. Parce que c'est pas en Zerg ou à l'heure actuelle où tu fais des... Mais justement, enfin, en l'occurrence, on parle beaucoup de la capacité de préparation de Special et de sa capacité à inventer des choses. Et là, ce match, il a eu beaucoup, beaucoup de temps pour le préparer. On connaît les groupes depuis très longtemps. Et ici, je ne serais pas du tout étonné qu'il ait 3 BO limés, puisque forcément, on en prépare 3 puisque c'est un BO3, limés pour gérer Rogue. Et qu'on pourrait presque s'attendre à un upset là-dessus, avec quelque chose peut-être de similaire à ce qu'on a pu voir tout au fil de l'année. Enfin, on se rappelle de sa demi contre Serral à Leipzig, où il fait un cheese porté Liberator, et où il prend le point, au bien final, contre Serral. Ah, mais il est énorme quand il prépare. Moi, c'est pour ça que je le trouve en BO3, dans un groupe comme BlizzCon, qui est quand même un tournoi qui lui réussit, parce qu'avant toute chose, il faut le rappeler, Spécial, c'est un mec... Le seul truc qui lui manque, c'est une victoire dans un tournoi majeur, et avant toute chose, une finale, parce qu'il s'arrête en demi à chaque fois. Ça a été le cas à la BlizzCon, ça a été le cas dans... Je crois 3 ou 4 événements avant WCS. Donc c'est un adorateur entre guillemets de la demi-finale. Va falloir arrêter. Mais du coup, en group stage, c'est quelqu'un qui est à l'aise. À la BlizzCon, il a été capable de le faire ce top 4 également. Donc qu'il place aussi encore une fois dans sa régularité. Il n'est pas favori, mais tu l'as dit. Je suis 100% d'accord avec toi. Je serais très étonné de voir Spécial nous faire. Je démarre des tanks et je push. Je fais un timing de 2 Marine Tank. Non. Mais ne serait-ce que juste. Il va y arriver d'une manière chelou. Ne serait-ce qu'un Reaper expand normal, ce serait choquant de sa part dans un match comme celui-là, tu vois. Ouais. Possible qu'il le fasse en ladder, mais là pour la BlizzCon, il a manifestement, je pense, des builds qui sont préparés, qui vont comprendre pourquoi pas des proxys, parce que c'est dans la méta à l'heure actuelle, mais aussi peut-être un cheese. Ghost Hellbat comme il avait pu faire contre Snoot pour les WCS et qui avait eu beaucoup de succès pour le coup. Ouais, carrément. Non, je suis d'accord avec toi, on va avoir un spécial qui va arriver avec des trucs et peut-être qu'on aura un Rogue qui va nous remontrer son level et qui va casser des bouches. Il y a pas grand-chose à dire. Regarde. Déjà dans notre probature. Alors on va attendre l'intro puisque là il y a pas grand-chose à vous montrer. On va attendre l'intro, on va vous montrer les joueurs dans leur état naturel. C'est Rogue contre eux. Spécial, voilà, c'est notre match. C'est le dernier match d'ouverture dans ces groupes C et D. Et ensuite, on partira sur les winners. Mais avant toute chose, eh bien, il faut déterminer qui ira se batailler contre Classic en winners match. Spécial contre Rogue. Ici en bas à gauche, pour la Zergurie, le champion titre. Et il s'agit de Jiner, Green Wings, Rogue. Et en haut à droite, nous venons tout droit de Guadalajara, au Mexique. Mais vivant maintenant en Corée, il s'agit de Juanito Spécial. Et qui, voilà, c'est tout con, mais il y a un truc déjà, tu vois. Genre, ok, on est reparti, on va faire un truc avec le wall, on va commencer à waller des porcs. C'est très bien. Alors, déjà, est-ce qu'il se limite à une orex? S'il ne se limite qu'à une seule, ce qui a l'air d'être le cas là, ça me rappelle le build de Bion, à savoir, genre, en fait, le drop Marine Cyclone. Où en fait t'as pas forcément besoin d'extension et ça te permet de gratter un petit peu. Du coup voilà, c'est mon call maintenant, ça n'engage peut-être pas grand chose. Et qu'en fait du coup il n'y aurait peut-être rien du tout de bizarre. Mais voilà, on va dire que c'est l'idée. Un petit peut-être drop cyclone, mais ouais, genre pourquoi est-ce que t'as pas envie de waller en haut? Parce que ta caserne tu vas forcément devoir la déplacer, peut-être parce que tu as envie de faire du mecha, mais genre tu n'as aucune certitude là-dessus. Déjà tu vas mettre dans le loot en fait Rogue en mode tiens. C'est bizarre, monsieur, que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu fous?
Voilà, qu'est-ce que t'essayes de planquer? Qu'est-ce que ça va accélérer? Parce qu'il y a toujours cette notion-là. Déjà, t'es safe tôt. C'est une des grosses grosses forces de ce truc, c'est qu'il est déjà safe sur de base contre un pull first. Et est-ce qu'il pourrait pas interdire? C'est important là. Oh, il va pas tenter. Il se dit qu'il est un peu trop loin. Il va pas tenter d'aller catcher ce drone. Il était un tout petit pixel trop tard, je pense, pour pouvoir le faire. D'autant qu'il avait pas le minerai. Il aurait peut-être pu commit. Hein. Rock avait lancé sortir son drone de manière très très préemptive. On va préférer danser le tango entre ces deux joueurs avec le Reaper et les Erglings. Mais voilà, on a déjà une petite modification, un petit début de partie spéciale. Et surtout, on n'est pas du tout dans ce que je disais, genre le drop cyclone, on a un réacteur en fait qui vient d'être lancé. Ouais. Est-ce que tu produis pas des lions en fait de manière traditionnelle? Ou est-ce que t'as pas envie de faire des... T'accélères à lion cyclone, il y a une starport qui va être positionnée. Donc et c'est un 1-1-1 avec le wolf et très très tôt pour le moment. L'un de ces BO fétiche, ça reste quand même le drop et lion. Pourquoi? Parce que c'est un BO du multitask et special. Avant d'être un joueur, tu vois, de macro game, c'est un joueur qui multitask. Ce n'est pas pour rien que son joueur fétiche. Stratégico multitask. Ce n'est pas pour rien que son joueur préféré, c'est TY. Voilà, ouais. Un joueur qui balance des unités partout beaucoup plus vite que tout le monde. Là où en fait, c'est quoi, genre un Lynx Flout dans le matchup? Allo? Alors attends, par contre, c'est pas du tout fermé là. Oui. Enfin, c'est fermé mais c'est ouvert. Là il y a random. Non mais là c'est pas bloqué entre les deux là. Tout à l'heure c'était une facto qui a... Enfin c'était la rat qui prenait la place. Donc là son wall il est juste pas fermé. Donc j'espère que c'est pas une erreur bidon comme ça, parce que là je pense qu'il doit savoir qu'il doit rajouter un dépôt. Voilà, il va le faire maintenant. Et il va falloir le faire vite, hein, parce qu'il va y avoir beaucoup. Oh le return magnet. Oh le return magnet. Attention. Ah bah c'est pas le dépôt. Attention. Ah bah c'est pas le dépôt. Attention. Ah il se fait pas veiller. Il est tellement chaud au rock déjà sur cette pression, parce que ça rentre, c'est terminé. Ça c'est dans la V2, mais c'est terminé. C'est un peu la manière du PVZ, tu prends un run by, t'es dans la merde. Mais le fait que pour l'instant pas, tu vois, genre c'est un investissement de ouf. Prog. Il y a que 25 ouvriers, hein. Côté Zerg, il est en train de lancer une salve de drone pour la première fois depuis maintenant quelques instants. Double queen en production et les Zerglings qui vont accélérer avec la prise de Sexel Naga qui donne l'information sur les Hélions. Ok, c'est bien. Ok, on a relevé le dépôt. Très bien. Par contre, on a une seule unité pour défendre. La Banshee va être la première. Oh, il va run by du coup. Sérieux, spécial. Le manque de respect le plus total. Ah ouais, tu veux run by? Le wall il est fermé, Rogue. Il est fermé. Par contre, chez toi y'a rien. Mais le split est très bon. Bah oui, c'est ça. C'est genre, qui veut que je suis chez moi il avec lui, hein. Ouais, dans la fin de 9 drones quand même. Le petit meuble de la mine absolument parfait en sommet entre les packs de minerais. Du mieux que l'on peut. Et 11 drones parce qu'il les a ramenés un petit peu trop tôt. Plus les Erglings, plus le temps de minage, plus 30 links qui ont été produits en début de partie pour strictement rien du tout. Genre, c'est très, catastrophique très, très pour Rogue. Hein. Très très bon opening pour spécial du coup, selon où vous vous placez. Oui. Et derrière, on va avoir une Banshee Cloak. La première est déjà sortie. Le Cloak n'est pas terminé. Est-ce qu'on a vu la Starport, je pense, avec cet Overlord? C'est... Non, elle est pas vue. Et t'enchaînes sur des outils, genre t'as un Zer qui a encore que tiens et tout là. Là c'est une position rêvée pour la sport, elle est late, hein. Mais oui, il va reperdre des drones, hein. Est-ce que tu duelles pas la... Non, c'est trop. Je pense que tu prends le maximum de drones parce que tu sais que la sport va se terminer quand même à terme. Ouais. T'aurais pas le temps de terminer la queen en fait, le temps que la sport se finit. Non mais j'ai trois drones. Ta deuxième Banshee carry. Oh oui, prends un quatrième drone, prends-en un cinquième, regarde, il t'en donne. Il est là. Il est grave. Rogue la PLS, hein. Bah non mais en même temps. Et puis quatrième sport. Oh, ça coûte cher. Mec, la présence d'esprit, moi je trouve, de Major, elle est énorme. Il y a déjà le 3ème CC qui arrive derrière. On va jouer double eBay. Ça jouera bio pour le joueur Terran. Et c'est marrant, mais ça lui fait une usine aussi qui est au niveau de la B2. Donc est bien mieux placée, tu sais, pour ravitailler, pour défendre et tout, tu sais, quand t'avances dans tes games. Attends, mais l'usine là, elle est levée. Ah, il va récupérer la boîte tout de suite. Okay. En fait. Il fait un Raven. On a vu des joueurs ne faire que de la bio ces derniers temps. Voilà, sans forcément avoir très très grand succès au rendez-vous. Mais on l'a vu. Du coup, bio carrément en avance. On est devant au niveau écho. On est devant au niveau de la pop. On est devant au niveau des upgrades, genre. Donc quel monde vite, special, hein, n'arrive pas à nous faire un énorme mid-game? Alors il va avoir un énorme mid-game, mais je pense que Rogue a toujours des opportunités. C'est-à-dire qu'un run-by toujours bien placé, c'est quelque chose qui te ramène dans le passé. C'est quelque chose qui va t'impacter, qui va faire que tu vas avoir des difficultés à prendre des bonnes décisions dans les fights aussi. Là il va go, c'est marrant, on a l'impression qu'il se balade avec genre Ops Void Ray. Il va décriper Banshee Raven tranquillement, le mec. Et là, et il peut, hein. Le tier 2 est pas fini, il n'y a pas de voir si. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est un Rogue qui va. Ok, je suis en retard, je vais te faire le truc débile qui justement m'avait permis de saucer Maru à Katowice. Je sais pas si tu te souviens sur la 5ème game, Mass Roach. Voilà. Ouais, Mass Roach et si te choper par surprise. Avec le 1-1. C'est ça, maintenant c'est un style qui, s'il est identifié par Major, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant, quand t'es devant dans une game en tant que Terran, que tu scoutes que le mec fait des cafards. T'es glorieux, hein, t'es royal. Bah, tu peux si possible une deuxième facto rapidement, mais surtout tu bouges pas en fait. Bah ouais, c'est ça. T'attends, genre tu laisses le mec venir, tu fais ton 200 pop marine tank et puis tu vas le chercher ensuite. Hein. Là on a toutes les cartes en main pour special pour réussir. Maintenant attention, on a Rogue, champion du monde en titre, l'un des joueurs les plus malins du circuit.
Je serais pas étonné, tu vois, d'avoir un petit twist qui arrive quelque part pour essayer de... Tu vois, genre, que faire du Road Ravager dans Rogue, tu vois, mieux que ça. Voilà, déjà, fausses infos, qui suis-je fait derrière. Et double armurie derrière, c'est une erreur, ça. Alors. Je pense que c'est alors. Une erreur. Alors. Je pense que c'est une erreur. Alors, DKL qui est là, qui fait les « Is it ?» Je me dis, le fait qu'elle soit pas au même endroit comme ça, c'est genre, t'as oublié, tu veux pas être baisé sur ton timing de 2-2. Tu veux pas te faire scouter. Genre, t'as lancé ta deuxième armure. Ou tu peux pas, tu veux pas faire scouter ta deuxième armure. Ok, DKL. Ok. Non, parce qu'on a vu clairement Maru faire okay. En TVT du 4 upgrade. Hein. Alors, comme il a cancel son armure, est-ce qu'on peut partir du principe que c'était une erreur, DKL? Is it ? T'es con. Ah merde. Excuse-moi, ouais. Tu disais Yogo. Non parce qu'on a vu Maru en TNT faire du 4 upgrade, tu vois, donc à un moment on s'est dit que peut-être pourquoi pas. Mais non, ça ne sera pas le cas pour le moment. Rouge Bending a accompagné évidemment de Ravager puisque c'est compris dans le package. Ouais, donc voilà, il est là le petit twist. Tu vas pas faire du Rouge Ravager normal, tu vas rajouter des Bending, tu vois, style qui normalement est préconisé contre Protoss mais qui là va être utilisé contre Terran. On est déjà remonté à 70 de route, voilà, malgré tout l'handicap qu'on a subi en début de game, comme quoi Rogue ne lâche absolument rien. Bon, ouais. Genre à un moment donné, t'es censé dominer en Zerg. Là, il n'y a jamais eu de position de domination. Hein. Alors attention quand même, avec ce premier push de la part de Rogue, il y a pas mal d'units, mais il est derrière à la pop, alors que pour l'instant, il est quasiment intégralement composé de Roach et de Ravager, des unités qui sont communément considérées comme ayant un rapport qualité-pop pas terrible. Ouais. Pour l'instant, les compteurs sont toujours au vert en faveur de l'ami spécial. Oh, ça va petit overlord de drop, ce sera probablement des bending, effectivement. Oui. Est-ce qu'il joue avec un 4 genre, mais là, il y a un truc qui fait un petit peu peur, c'est genre, tu l'avais dit, genre, combien il fait du Roach Ravager? Je reste chez toi, tu vois, genre. Et là, on a un special qui va de l'avant, qui traverse, il n'est qu'à la moitié de son 2-2, donc il a beaucoup de pop, tu vois, mais il a un seul timing. Donc tu vois, genre, je pense que c'est un bon move, mais attention, il faut aller jusqu'au bout. Voilà, prendre ses précautions, les builds qui sont bien placés pour zoner les marines. Il n'y a pas d'overseer, donc là, la Banshee qui va free DPS un petit peu. Attention, les Ravageurs qui sont un petit peu gratuits. Le missile qui va être utilisé de la part du Raven qui a été bien sauvé. On a avancé les tanks très très lentement, mais on va bientôt avoir 4 tanks en range de cette base. On stim une partie de la bio et on s'approche. Et tu le disais, on est sur une sorte d'anti-timing. Hein. Le 2-2 n'a pas été lancé côté Zerg, alors que côté Terranis se terminera d'ici quelques instants. Attention, le stim et on recule. Le deuxième missile qui va connecter. Beaucoup de Ravageurs qui sont en train de prendre très très cher. 112 d'armée à 96. Spécial qui est en train d'accélérer sur ce coup-là. Attention, les Bending n'ont pas connecté. C'est ça, c'est la conquête ici de Zerg qui est présent, mais le DPS trop de firepower ici côté Terranis qu'on n'est pas capable d'aller jusqu'au bout. Le speed qui est parfait, il est complètement parfait. Les contre les builds depuis tout à l'heure, il a été parfait. Le bon spécial, alors qu'il y avait quand même une chier de Ravageur, il va accélérer alors que tout sa bio est dans le jaune et le long orange. Il est en train de placer, mais non. Et il est en train de passer spécial mais sur non. Cette première game avec un très très bon avantage glané sur cette prise de drone en début de partie. GG spécial qui prend la première game. Il a détruit Rogue. Aïe, 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 aïe. Tout ça grâce à un magnifique main game sur cette deuxième armurerie. Ouais. Non, du coup, vraiment, seule erreur là-dessus, du coup, de cette deuxième armurerie, qui est effectivement une erreur qu'il cancel très rapidement, mais au-delà de ça, une maîtrise totale, enfin, son mur qui était effectivement percé, il le voit rapidement, c'est intercepté. Ces lions qui sortent ne se font justement, eux, pas interceptés par les links. Rogue, il voulait garder en run-by. D'ailleurs, il fait les bons targets parfaits. Les Banshees qui nettoient du creep, enfin... Est-ce qu'on n'a pas de nouveau un spécial de demi-finale de BlizzCon ici, monsieur ? Mais mec, cette game 1, elle est... Pour moi, cette game 1, elle est ultra cool pour énormément de facteurs. Et c'est ça qui fait que je trouve que c'est une game qui est complète, même si au final, tu vois, c'était un timing de 2 bio. Sauf que... Il y a eu le petit twist, il y a eu la petite accélération, il y a eu les prises de décision parfaites de la part de Spécial, parce que j'en connais beaucoup des gens qui sont en panique, genre ils se prennent la contre-attaque de Zerling au moment où ils la voient, et Lyon ils sont renvoyés instant chez Watt, parce que même à ce moment-là d'ailleurs, je pense que Rogue aurait pu gratter le wall, il l'a juste même pas essayé. Il y a un marine derrière le wall, il y a l'over qui arrive et il fait... Non, là j'y vais pas. Là je suis en train de me faire bolos. Là je me fais bête comme merde. Je me fais bolos sur les Zerling en bas. Non, tu vois, genre, ça c'est le premier coup de l'œil à Yes. Et derrière, le run-by de Elion fait énormément de dégâts, parce que du coup, on a absolument pas hésité. On a dit, ok, t'as fait 25 Zerling, tu pensais que t'allais m'arnaque. Moi, je te prends beaucoup de drones de l'autre côté, et t'as déjà handicapé ton écho. Là où il y a double combo, c'est que, genre, tu fais mass links pour arnaquer le joueur Terran. Tu n'y arrives pas. Tu fais déjà, t'es méga en retard. Mais parce que t'as fait mass de links, il y a un truc qui ne doit pas t'arriver, c'est subir le moindre dommage. Et pourtant, t'en subis, genre. Catastrophique ce départ de Rogue, mais parce que Special a fait tous les bons calls. Et ça part du fait de faire un build normal, mais en fait un peu différent. Juste de par son wall qui trigger un peu, qui déclenche quelque chose chez Rogue, une réaction qui finalement n'est pas adaptée à ce qui a été produit, et il se fait arnaquer.
Ensuite, Banshee Raven, petite adaptation à la con. Et genre, je le voyais décryper et voir le creep. Et au même niveau, 30 secondes après, j'étais en train de me dire, ah, quand même, c'est beaucoup d'APM pour pas grand. Et, mais le creep, il aurait été plus loin. Et il aurait probablement été au niveau de cette B4 où le push a eu lieu. Et ensuite, il y a eu l'exécution en fight de Major. Et tu l'as mentionné à 10 reprises durant cette fight. Il a pas pris une seule grosse bille. Alors qu'en face, il y avait que des ravageurs. Il a même terminé avec, en prenant des risques. Il est dans le rouge, dans le orange. Et il dit non. Je rentre, j'y vais, j'ai gagné la game maintenant. Il fait pas d'erreur sur ses positions de tank, excuse-moi, hein, j'arrête pas de te couper, mais tu vois, genre, sur tout le truc, moi, pour moi, c'est des fights qui m'hallucinent parce qu'une erreur est ultra vite arrivée, ton tank il est un peu mal siégé, il tape pas pendant la fight, tu recules parce que tu trouves que ta bio elle est weak et tu finis pas la game, il a tout. Toutes les bonnes décisions, elles étaient là. Ça, en fait, les splits qui m'ont impressionné, c'est que c'est facile de split, genre décaler face au bill. Mais il a toujours splitté sa pop de manière efficace. À chaque fois que les marines décalaient, il retapait dans la fraction de seconde supplémentaire. C'est pour ça que ça lui a permis, justement, comme tu le disais, de ne jamais vraiment reculer, de snowball derrière. C'est que oui, tu split, mais c'est pas genre les marines qui sont en train de courir sur 10 km parce qu'ils se font chasser par des bellings. Non, c'est ça. Décale et ça tire. Rogue ici. Oh, à gauche, le champion de la BlizzCon. Malmené. Attention, c'est le troisième, c'est le quatrième coréen à se faire. Éclaté pour peut-être le moment. Peut-être upset, hein. En bas à gauche, il est rentré dans ce BO3 de la meilleure des manières avec son traditionnel style multitask et stratégie spéciale. Le bon vieux Major. Hein, rappelez-vous, il nous avait 4-0 à l'époque de Nation Wars 3-2, pardon. Le salaud devant le Trianon, médusé. Mais comment? Mais qui est ce Mexicain? Oui. Et 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, merde, ça fait longtemps. Eh bien, il est là à la BlizzCon et peut-être va-t-il nous répéter un top 4. En tout cas, c'était le foreigner le mieux placé en 2017. Ok, oui. Et bah ouais, non, première game absolument parfaite. Un Rock qui n'a pas eu son mot à dire en fait. Voilà, tu te fais banane sur l'ouverture et derrière, bah tu subis. Et c'est là où Special a toujours été fort, c'est que. Bah il a plus d'un tricks dans sa manche quoi. T'es pas sur ton random Terran qui ouais je suis fort mais j'ai qu'un seul BO et du coup je me fais voler sur toutes les ouvertures et je suis en retard et après j'arrive pas à gagner malgré mon talent de split et de click de Bane. Non là t'as un mec qui est capable de prendre l'ascendant parce que Brain parce qu'il est beaucoup de parce qu'il fait un truc différent en fait. Non, mais... Après bon voilà encore une fois sur une game on va pas juger l'intégralité du truc. Sauf que on est en BO3. Que du coup une game ça représente déjà la moitié du chemin et que on s'est déjà représenté un peu le danger que de ne pas finir premier de groupe hein. Même s'il s'agit de se qualifier, même si Rogue au final tu vois il perd ce BO, il se qualifie, il est pas content d'être deuxième. Tu crois que s'il se tape Maru au premier round, il est content? Mais de toute façon, déjà s'il sort, il se tape obligatoirement Maru au premier round parce que c'est la tradition en fait, voilà. Non, bon. Ici, on a troisième. Oh là là, ça fait combien de temps que j'ai pas vu ce BO? Genre, troisième base ultra rapide. En plus, j'avais planqué dans le boule de la base. Si t'avais regardé le stream de Funcast après-midi, tu l'aurais vu ce build. C'est vrai? Il était plutôt pas mal. Non, non, mais moi je le trouve méga fort, mais il le fait pas exactement comme je l'ai vu faire plusieurs fois, qui est de jouer très Marine Heavy avec des tanks très tôt en fait pour être safe. Et justement, sur cette carte, tu peux avoir des positionnements de tanks, notamment ouais, cool. Ici pour couvrir en fait. Et du coup, tu peux tenir sur B3 avec peu d'unités, juste des marines pour la rotation et des tanks en high ground. Mais ici, on va quand même commit, tu vois, sur des lions, peut-être sur un Medivac. Je sais pas ce qu'il va faire de cette starport. J'ai du mal à le voir jouer une Banshee par exemple. Ça commence à faire greedy, tu vois. Mais au moment où je dis ça, il fait un take down. Alors après, c'est peut-être pour le point dont tu parlais, tu vois, genre. Maintenant, pourquoi pas, tu vois, si c'est pas identifié et que tu mets Rogue. Aussi, est-ce que c'est pas le mind game? Rogue, il a tenté une agression en ayant cru entrevoir quelque chose du côté de chez Special et il s'est raté. Du coup, peut-être que t'as Special qui va dire penser, ok, tu vas peut-être pas retenter l'agression, tu vois, ou à la moindre suspicion. Du coup, je me permets de faire ce que je veux, à savoir troisième base et quand même Elion Banshee. Donc, t'es à poil, voilà, t'as 4 minutes de game, ouais. T'as 3 unités, t'as payé B3. Et c'est marrant, il a cut BSIV pour faire ça ou quoi? Pourquoi? Parce qu'il en a peu, tu dis? Alors déjà, il en a pas énormément, mais tu vois, genre, je trouve que son timing est vraiment pas très très retardé, en dépit du fait que. Ouais, il a vraiment pas. Non, mais là, il veut jouer mes cas. Non, mais c'est quoi ces cases là? Mec, il prend les gaz ultra vite. Il a des hélions quand même, tu vois, parce que d'habitude, tu vois des hélions cut quand tu fais un 3 MCC comme ça. Putain, j'ai vraiment trop envie de savoir. Ou alors je m'hallucine, mais ça me paraît ultra greedy. Et pourtant, je trouve que ça fonctionne en fait depuis tout à l'heure. Genre, tu regardes les unités, tu te dis bon. Mais ça, mais je pense. Mais là où c'est cool, c'est que je pense qu'à aucun moment tu fais ce BO là en ladder. En fait, il y a trop de mind game, il y a trop de trucs qui se passent en fait entre les deux joueurs avant que tu puisses. Oh là là, puis en mode full imré le gars. Allez, pim, allez, du cyclone par deux avec un BO complètement greedy.
Et j'ai vu des joueurs faire ça. Plays, hein. Et une fois qu'ils prennent le lead, ils font que des cyclones. Et ils prennent que des bases, tu vois, base. Comme en TVT, tu vois. Ah, j'ai 5 bases avec 60 SV, mais j'ai que des gaz. Et je suis que des cyclones et des Hellbat. Ok, on a une Banshee qui va ici se débarrasser d'une petite cryptumeur. On n'a pas payé le cloak quand même. Hein. On s'arrêtait là. On devrait rajouter une armurerie, un de ces 4. Elle est ici. On joue sur une armurerie pour le moment. La raison, hein, la présence de ces cyclones sur la carte. Genre, centre technique aussi rapidement que ça. Pourquoi ? Il a peur d'un fast muta. Ouais, pourtant il y a B3. Ou moins juste être d'un mid. Est-ce qu'il veut. Je veux pas leur l'armure des bêtes, non. Ou il joue bio ? C'est un fake mecha ? Je sais pas. Non, peut-être juste il a peur, comme tu disais. Il veut être sûr de. Il veut être sûr de pas oublier le bâtiment. T'es pour 125 de minerai sur une ouverture aussi grenie, genre. Peut-être qu'à ce moment-là il flotte et il a pas trouvé d'autre manière de l'utiliser que de poser une eBay et au cas où il a besoin, il pose des toiles, quoi. Ouais, voilà. Merci Dorian Wall pour ta donation. Merci à tout le monde, hein, pour toutes les subs, tous les subs, toutes les donations. Ça fait vraiment chaud au cœur, même si on a du mal à lire tous vos messages. C'est important qu'on soit concentré sur les games. Mais sachez que ça nous touche. Et on espère que vous passez un très très bon moment avec nous pour la BlizzCon. C'est pas fini. Hein. La fête un peu de StarCraft 2 continue. Pendant encore longtemps, attention le run by de Zerling ici qui passe. Ouais, il passe, il fait pas mal de dommages. Hein. Surtout au moment où on était à la partie pour décryper, qu'on est en terrain adverse, ça fait beaucoup d'occupation là pour. Mais non, par contre, qu'est-ce qu'on a pour défendre là? On a quelques bannings, mais ce n'est pas la meilleure unité pour aller gérer des cyclones. Hein. On a quand même pas mal de bane. De l'autre côté, c'est quand même compliqué là. Il faut micro les Hellions un maximum. Ici, quand même, le dépôt qui va être refermé. De l'autre côté, le split qui est pas trop mal, c'est les Hellbat qui font surtout les frais de ces banelings. Pendant ce temps là, le run by sur la B3, ouais, la grid quand même de spécial hein, qui est agressif alors qu'il a joué triple CC mecha. Regarde pas sur Glade Prod. Il y a un putain d'attaque. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette game. Fuka, est-ce qu'on n'est pas sur un Thor Marine, tu vois, genre. Qu'est-ce qui branle? Je n'en sais rien. Ouais, mais en tout cas, il est en train de perdre la game à cause des. Aïe 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 aïe. On ne saura pas ce qui s'est passé et ce qu'on a tenté parce que le run by de Zergling a tué la game. Ah, tu vois, parce que là, il y avait vraiment un truc bizarre qui se ramait, genre une sorte de. Ou alors j'ai déjà vu, tu vois, des joueurs faire Marine Tank et tu dis je vais avoir démarré des tanks tellement forts que tu viendras jamais au contact et du coup j'ai pas besoin de l'armure. Je sais pas. C'est possible. Hein. Il est en train de faire deux torts là, au moment, au moment où la game se termine. Là on reste sur notre fin quand on perd. Et puis il y a un run by de Zergling qui est le run by de Zergling tueur, quoi, tout simplement. Je suis sûr que le mec il a préparé ce BO en mode tu vois, j'ai un BO pour aller abattre le champion de la BlizzCon et genre ah non j'ai pas le droit de le faire genre. Ah non. Ah, tu meurs sur un truc genre bête quoi, mais typique rogue, tu vois, genre hop, le run by parfait. En même temps, c'est un classique, hein, je veux dire, t'es pas en place. Là, on est vraiment dans une méta dans le ZVT où qui est très très run by orienté, vraiment tout le temps. Au jeu spécial, ça serait cool. Mais on est sur une méta qui est très très run by orienté. Je trouve que les Zergs sont devenus de plus en plus forts dans le fait de gérer ce genre de choses, gérer ce genre de run by. Donc. Aller être efficace dans leur run by et faire vraiment beaucoup de dégâts, t'as pas le droit de pas lever le dépôt. Non, c'est triste. Hein. C'est horrible. Maintenant, c'est lié à son BO où... aussi parce que t'es très ambitieux sur ta macro, tu poses ta B3, t'as beaucoup de choses à gérer. Du coup, voilà, t'en oublies un petit peu bêtement le dépôt. Je sais pas si monsieur Tekel, tu as vu quelque chose de plus. Quelque part, je me dis qu'on retombe en fait sur à la fois la qualité et le vice de spécial qui est. Qui est une très très grosse préparation, mais où du coup, peut-être que des fois, il peut un peu se mettre des œillères et se concentrer purement sur ce qu'il avait prévu dans sa préparation. Ouais. Et du coup, là où il a exclu ce run-by, qu'on aurait peut-être vu plus, excusez-moi, de la part de Dark que de la part de Rogue, même si Rogue, bien sûr, est un habitué de ça. Il s'y attendait peut-être pas à ce moment-là, pas avec la telle pression qu'il était en train de mettre de l'autre côté de la map. Et on s'est peut-être un petit peu aussi perdu sur la fin, on a peut-être eu du mal à retrouver son équilibre. Maintenant, je pense aussi qu'il ne se laisse pas démonter pour autant. Là, il va arriver avec une préparation similaire. Il a un BO pour corrosion et va le mettre en place. Oh oui. On va découvrir ça dans quelques instants, Tekel, alors qu'on voit la troisième manche qui se démarre. Un partout entre ces deux joueurs, Rogue versus Spécial, le circuit contre la Corée. En haut à gauche, pour la team Gina Green Wings en Zerg bleu, il s'agit de Rogue. Et en bas à droite, il est là, bien sûr, pour nous proposer du beau jeu, le spectacle Special. Bon. Alors Atgas Pool, ce coup-ci pour Rogue. Qui ne fera pas face à un double axe. Donc spécial, pas du tout amateur de genre de play. Non, bah ouais.
Bah, c'est un des trucs dans le. On disait au global quand même que Spécial était un homme qui faisait tout. C'est quelque chose qu'il fait pas beaucoup. Le double axe, même en TVT, c'est pas trop son genre. Après, est-ce que c'est le truc que t'as envie de faire face à Rock qui doit tous les jours prendre à peu près 40 proxy rex de la part de Maru? C'est peut-être pas la meilleure idée du monde. C'est ça. Je suis d'accord. Bah non, tu pourrais jouer sur la surprise. Dit comme ça, forcément. Je sais que c'est ça que je veux, Yogo. Oui, du proxy rex. Du proxy rex, évidemment. Voilà. On atterrit sur quoi? On atterrit sur un special. On peut pas faire pimpon. Pim, 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 pim. Non. Je suis trop déçu, mec. N'hésitez mais pas à spammer des pimpons dans le chat. Voilà, bah spammer des pimpons dans le chat parce que moi-même je peux pas le faire et je trouve ça très décevant. Voilà, je tenais à le dire. Alors, on va aller poser B3 du côté de Chirog, la même chose que tout à l'heure. On essaie de on anticipe la sortie du drone histoire de pouvoir caser sa base avant que le faucheur n'arrive. Et là, on est inquiet, hein. On regarde partout et c'est genre, mec, genre, tu m'as pas caché là. J'ai peur, il n'y a pas des lignes, j'ai peur. Je stresse. Maintenant, voilà, t'es obligé de prendre des précautions. Ça serait dommage de perdre bêtement, surtout quand tu as. Enfin, c'est un signe aussi de confiance en ton gameplay. Si la partie avance. Oh, on refait le même. Genre, ok, vas-y, refais le même. On a envie de savoir. Est-ce que c'était pas vraiment plus un d'attaque bio? Est-ce que c'était pas une panique de je suis en train de me faire bourrer? Et en fait, il a raté. Il voulait faire double armurer. Et en fait, il a... Je sais pas, mais dans les deux cas, je crois que hotkey de base c'est E et E, hein, attaque et donc tu vois, genre tu. Ouais, dans ce cas-là, tu me dirais. Ouais, peut-être qu'il y avait un plan où à un moment t'as beaucoup trop de marines et l'autre il n'est pas prêt parce qu'il y a que du cafard. C'est vrai, hein. Qu'il avait reculé la Rax aussi, hein, donc je sais pas. Il y avait un truc un peu étrange dans les beaux de spécial, mais on n'a pas eu l'occasion de le voir mis en place sur cette deuxième manche. On va voir s'il va être capable de le faire dans le 3. Ouais, une petite grenade qui connecte avec les deux queens, histoire de dire ça ne changera rien à l'histoire de cette game, mais cet APM a été dépensé. Oui. Néanmoins. Des Hélions en production, la Starport. Donc du coup, j'ai une fois de plus pas regardé s'il avait cut, mais non, c'est juste que tu retombes sur vraiment. Il y a un décalage sur le premier Hélion, tu vois. Les deux premiers sortent pas du tout en même temps. Genre, t'as pas les thunes de tu tout faire. Tu rattrapes sur le 3-4. Mais c'est pas gênant. C'est vraiment pas gênant. T'es pas assez prêt pour le nombre de pognons que tu vas avoir grâce à cette troisième mule. Hein. Et donc, revanche, mec, je suis trop hype par ce build. Je sais pas du tout ce qui va. Tu sais, genre, après 8 ans de StarCraft, tu vas arriver dans une game et tu vois, j'ai aucune idée de ce qui va se passer, tu vois, ça reste toujours aussi excitant. Ouais. C'est la beauté du jeu. Le mec, il arrive, t'es en finale de la Coupe du Monde, et puis, enfin, de la Coupe du Monde, ouais, de StarCraft, et t'as un gars qui a limé son BO. Ça se voit, en fait, ça fait 6 mois qu'il a le BO, mais non, j'attends mon occasion pour le sortir, et c'est maintenant qu'il est en train de te le dévoiler. Ok, l'Overlord qui ce coup-ci va scouter le 3MCC très tôt. Hein. Ça n'avait pas été le cas tout à l'heure. Ouais. Qu'il avait peut-être été capable de l'inférer au niveau des unités, mais encore une fois, je vous dis, je trouve que le décalage n'est pas énorme. Là, il en a conscience, donc on va voir s'il va avoir une réponse plus greedy que ce qu'il nous a montré tout à l'heure. Tout à l'heure, il avait été plutôt greedy. Hein. Il est resté à 6 Zergling pendant longtemps. Il est resté, je crois, il est monté à 55 drones avant de faire sa grosse séquence de Zergling. Et encore, je dis gros. Il n'y avait pas tant que ça en contre-attaque, hein. Peut-être une quinzaine grand maximum. Effectivement, là on a troisième base qui est en train de se poser du côté de Special. Ouais, bah tout à l'heure il y en a eu un aussi, mais il refait l'armurerie aussi rapidement. Oh. Ouais, non, là on a. Ouais, genre en mode non, là... mec, ton BO est trop gourmand. Et là, son Banshee, ça peut être compliqué. Ceci étant dit, le Cyclone est l'une des meilleures unités pour défendre les Hollinzer, en fait, surtout escorté par des Lions. Par contre, qu'est-ce que fuck cette deuxième IB? C'est le full. Non, mais il y a un BO, hein. Et je crois qu'on va toujours pas avoir le droit de savoir. Parce qu'il y a des chances qu'il mène. Mais regarde, il est en train de faire une machine à Techlab. Et il fait pas de Banshee. Ah, j'ai peur qu'il meure là-dessus. J'ai peur que ce soit trop greedy. Rogue qui va tout simplement accepter. Il a vu. Il a vu un Overlord dedans, okay. Il a vu des rogues, okay. Mais est-ce que ça change quoi que ce soit? Est-ce qu'il peut tenir ça? T'as pas besoin de défendre ta base. Ok, maintenant tu sais, tu la laisses comme sur le terrain, histoire d'apâter. Faut lancer une Banshee surtout. Alors une Banshee, elle est là, il a repris la place sur le Tech Lab, il fait des cyclones supplémentaires, cyclones et Lyon, parce qu'il n'avait pas beaucoup de ressources. Il a la bonne compo, hein. Avec l'armurerie qui arrive, il va avoir des Hellbats, il a une grosse force de frappe. Si tu poules pas des SCV pour réparer, est-ce qu'il peut tenir le bon spécial? Mais je pense que c'est pas dégueu, mais... Oh, le drop de Zergling sur la merde qui fait tellement mal, drop de 8 Zergling qui va finir par être géré quand même. Hein. Avec le Shredder missile, franchement, dans le pâté de cafard. Faut qu'il relance parce que là, ce dernier Zergling, il peut faire vraiment la différence. Les missiles qui vont être pull. Il y va, le bon spécial, le missile qui connecte surtout. Mais attention à cette mille corrosive qui a fait un petit peu de dégâts. Et là j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui meurt en dépit de tout ça. 18 SCV déjà tombé au tapis. Le Zergling dans la B1 qui finit par être géré, la mille corrosive qui est dodge. Mais ici il y a beaucoup d'unités, il reste quand même le cyclone et l'Elbat pour le joueur mexicain. Mais j'ai l'impression que la reprod de Rogue est un peu trop grande. Oh oui, la belle qui tue le cyclone, c'est un petit peu de
difficile, mais j'ai l'impression que ça tient. Ça tient, maintenant il va falloir gérer les lignes. Mais oui, et derrière on a la Banshee qui est en train d'arriver. Maintenant on a un déficit de 23 SCV qu'il va falloir compenser. Alors oui, les mules vont travailler dans un premier temps, mais comment est-ce que tu fais pour faire des SCV, lancer ton tech, lancer des units? Le premier truc qu'ils décident de faire, c'est de faire du plus en attaque et des bâtiments de production supplémentaires. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, on est toujours en train d'attaquer ces 4, ces 8 routes de plus qui vont être produits, ainsi qu'un drop Wizardling dans la B1, mon bon Yogo. Ah, et il y a pas mal de SCV dans l'orange là. Il peut pas gérer ce multitask. Ces lions sont en Hellbat, en plus il a pas de mobilité. Alors oui, faire du frontal, ça peut le faire pour Special, mais ça, par contre, dans la base principale, avec les lions qui sont absolument mal timés, voilà, 10 secondes, il va falloir tenir avec les CV, et ça, ça attaque tellement de partout. Maintenant, la Banshee, elle est là. C'est terrible, parce que Game 2, il est pas scouté, il est pas embrouillé autant que ça, et il meurt sur le run by Elion. Là, je sais pas comment il peut tenir cette menace-là. Mais en fait, est-ce qu'elle est pas déjà tenue? On est en train de relancer les drones. Le fait d'avoir eu la Banshee fait qu'il n'a pas voulu s'aventurer avec les cafards. Finalement, les lions qui sortaient un petit peu par contre. Oh non! Le wall qui est ouvert! Ah non! Okay, il reste des lions. Ouais. On va micro. Mais c'est relou. Dans la rampe, il y a les Hellbat. Et regarde! Il refait le plus en attaque. Mais oui. C'est un vrai build, hein. C'était pas une erreur. On ne sait pas pour quelle unité c'est prévu. Parce que pour l'instant, aucune unité du terrain ne profite de l'upgrade. Hein. Mais il a fait. Je pense que c'est un faux mecha in tout bio. C'est genre inspiration for GG contre l'homme qu'on ne peut pas citer. En finale de Dreyback Winter. Et ouais, hein. Eh, le Steam qui est parti, mec, c'est un fake mecha. Hein. C'est un fake mecha. Mais avec 3 usines, tu vois, donc c'est un fake. Mais c'est à l'ancienne, mec. Je crois que c'était Flash qui faisait ça sur King Sejong. Ouh, peut-être bien. Ouais, il faisait des builds, mais je l'ai fait ce truc-là. Je faisais genre 6 tanks, 3 torts et masse bio derrière, tu vois. Un truc comme ça, et t'avais le plus en attaque ultra early. Normal. Ouais, non, c'était trop marrant. Et il fait une deuxième IB, et maintenant réacteur et tout. Alors, le problème, c'est vraiment qu'il a été scouté super tôt. Mais effectivement, s'il a le temps de sortir sa bio, ce qui paraît peu probable dans cette game. Quoi non, mais genre, diras, l'autre côté, mec, fait tout, il va lancer des Swarmos. Il va lancer des Swarmos parce que c'est Rogue. Attends, et tu vas avoir des Swarmos contre scoot, des Mike. L'Overlord de drop qui va revenir. Ouais. C'est pas possible qu'il le masque. Ouais, là il va avoir des racks quoi. Et du coup, tu vas faire quoi? Tu vas lancer l'Overseer, mec, tu le tues. T'es déjà pas sur tes améliorations en fait de contact. Déjà, il est pas sur les bonnes améliorations. Est-ce qu'il aura lancé des Swarmos? Moi, je pense pas. Il va le voir. Special, il a même écho, il est devant au niveau de l'armée. Là, il voit les racks, il se dit, mais quoi? Mais comment? Est-ce que tu lances pas le tir 3? Mais t'étais pas mort toi? Il fait Swarmos quand même! Attends, est-ce qu'il pense pas que c'est. Mais il a vu qu'une seule race? Est-ce que c'est non, pas. Non, il a vu 3. Je veux dire, est-ce qu'il pensait pas que c'est la première qui avait genre décalé. Ou qu'elle était morte, c'est. Et Swarmos contre bio, c'est méga nul maintenant! Contre bio! Et la bio, elle n'est pas encore réellement sur le terrain. Peut-être qu'il estime qu'il a un timing maintenant, il va jouer Tunneling Close et tout, enfin c'est super sexy ce que Rogue entreprend également. Le Drop Roach, qui va faire du dégât? Quelle est la réponse? Quelques tanks, quelques marines qui vont revenir dans la BR. Tellement de pop partout, mais là c'est du Rogue qu'on a sous les yeux. Il enterre un cafard, il décale avec les trois autres, là t'es une petite... Bon courage pour Rogue, ce monsieur Funka. Il a déjà le bureau. Bah ouais. Regarde, genre juste en périphérie, on bureau les trucs, il y a des unités partout, il y a après, de l'action. Il peut peut-être comprendre. Putain, bien joué, il a réussi à bureau en dehors de la zone du scan en plus. Et on a alors qu'ils ont pas le mouvement là encore, hein, les roaches. C'est une anticipation qui a été très très bonne. Tu peux montrer à combien de swarmi on est là? On est à 12 swarmos. Il continue d'en faire, hein. Il va en faire 16. Full débile. Mais d'un autre côté, vu que la bio n'est pas encore là avec tes marines, bouclier de combat et tout ça, t'as juste plus un attaque steam, tu vois, c'est ridicule. Après, mec, trade des marines contre les Locus, c'est pas la fin du monde, hein. Ouais, mais le problème, c'est qu'il va pas trade que les marines, hein. Il va surtout trade les tanks. Là, la B3, elle est complètement exposée, hein. Oh, ça va être difficile. Oh, que ça va être délicat. Spécial qui sait, là. Maintenant. La game spécial se joue peut-être maintenant. Hein. Spécial qui sait maintenant. Spécial qui doit aider directement ses tanks le plus rapidement possible. Il va choisir de les décéger. Il va en perdre 3 instantanément. Okay. Mais il est loin d'être mort. C'est ça. Une fois de plus. Il est loin d'être mort. Faut qu'il lance une développer sa pop. On a. Oh, ok. Le Baninès qui vient d'être lancé, un signe qu'on a compris, hein, qu'il avait bel et bien de la bio, qu'il allait arriver derrière. Là, il faut tenir 50 de population récupérée. Ah, c'est trop chiant. Ah, si, c'est bon. Ça, c'est très très bon pour Spécial. On va gérer les deux roches là. Oh la tourelle qui donne la vision. Ah ouais. Il vient de donner beaucoup là. Il vient de donner beaucoup d'opportunités en fait. Certes, il a pris des tanks. Les tanks ça coûte cher. Ici, il vient d'en reprendre un de plus avec son run by the roach. Mais ces roaches, ça veut dire qu'ils sont pas là. Ça veut dire qu'ils sont pas là. Qu'ils sont pas en train de mettre une pression colossale dans la B1 et dans la B2. Donc le fait d'avoir verrouillé cette opportunité, c'est très 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 bien pour Spécial. Et on voit Roy qui est en train de se rabattre, hein, sur les améliorations de corps à corps. On a compris. Hein. Qu'il y avait la bio, mais il a pas lancé le tir 3. Ouais. Gros, non, là ça fait mal. Il enchaîne des drones. Mais oui, déjà 8, 10 et les deux médivacs qui ne sont pas du tout contestés. De l'autre côté, ça part par contre. Attention.
Les locusts qui vont prendre tous les tanks. Et pendant ce temps là les ravageurs qui arrivent. Mais je pense qu'il y a trop là déjà pour spécial. Et pendant ce temps là en plus il va s'empaler avec ses routes. C'est une erreur ça de la part du joueur Zerg dans la main. Ça va être géré quand même malgré tout. Mais derrière le Swaperoo, ici les Medivacs qui pourraient se faire target. Il était pas dessus. Et encore, Rogue, encore, il va oui. prendre les queens. Non, les transfusions qui arrivent au bon moment. C'est très très important ça. Attention quand même, spécial, il va s'empaler ici, il a pas la vision. Oh, c'est un merdier cette game! C'est un full merdier. Ouais, déjà, c'est un peu du jamais vu. On est 100% sur l'Indy, ouais, il reste deux marines dans la main, non, c'est pas grave. Il oublie son 2-2 depuis 8 ans, spécial, et il arrive pas à prendre BK. Il va refaire du BK peut-être, je sais pas. C'est regarde, il a. Attends, non, il a renulé son puissant de corps à corps pour refaire. Le 2-2. Du 2-2, mais tir à distance. Non, c'est mais Rogue, ouais. Oh là, là, il y a beaucoup. Là, ici, ça pourrait peut-être déraper. Attention, les SCV qui sont pull directement. La ville corrosive qui va connecter avec un tank qui n'était même pas siégé. Il faut retourner. Il faut reculer les SCV pendant ce temps-là. Le multitask de spécial qui repart de plus belle. Et il a quand même géré la vague de 16 locusts, enfin de 16 swarmoths, hein, ce qui est absolument énorme maintenant. C'est B3 est en train de se leur dégager. On n'a pas de visu de B4. Okay. Mais est-ce qu'il est capable d'aller chercher les tanks? Je suis pas sûr. Il y a 6 tanks, ça tient. Ben oui, mais on a perdu 23 SCV. Mais les marines derrière de l'autre côté sont en train de faire l'équivalent quasiment. On tue, enfin tu tues Sidro, tu tues une base. Il a perdu 27 et 6 villes. Ah oui, mais il a même perdu la base. Il va lui prendre la base. Le problème là c'est ce manque d'économie vraiment hein, grave du côté de chez Spécial. Pas de 2-2. Il y a que 50 drones, c'est pas ouf. Le seul truc. Et il y a toujours puissant du côté de Locus qui sont chiants qu'une fois toutes les 40 secondes. C'est ce que j'allais dire en fait. Mais t'as des Locus qui sont un peu des unités gratuites et t'as le 2-2 qui arrive d'un côté qui n'est pas là de l'autre. Donc dans une bonne minute, il va y avoir un problème d'upgrade pour Spécial. Mais il a la masse de tanks. Mais est-ce que c'est l'unité que t'as seulement envie d'avoir contre du Swamos? Non, t'aimerais avoir genre des 80 marines devant qui disent non au Locus. Mais on n'arrive pas à l'atteindre cette masse parce Rogue il est systématiquement dans le bully. Allez, faut targeter. Par contre, ça, c'est, je suis pas sûr que ce soit une très bonne fight de la part de Rogue. Il peut peut-être se permettre de trade ici puisqu'il a plus d'économie. Il va prendre 2-3 tanks. Mais le reste de sa population, il va prendre 4 tanks quand même. Ouais. Ce qui est très très rentable à ce moment-là de la game au vu de l'économie de spécial. Ah ouais, mais tu colles 2 tanks. Hein, tu t'es désassenti sur les builds qui étaient entre les deux. Ça a fait très 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 mal. La base qui est menacée maintenant, 43. Contre 49, on a toujours pas refait des coups. On est quand même all-in du côté de Cherog. Alors oui, on a beaucoup de population. Oui, on est sur une très bonne dynamique. Mais t'as pas... ça peut jouer sur ça. Hein. Prends des Swarmos, prends des Rogues gratos, prends quelque chose. Ah, ça tanque tellement là du côté du joueur Zer. On va claquer un scan pour se débarrasser. Non, faut pas bouger. Oh là 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 là. Parce que la base, elle est à moitié de points de vie. Hein. Mais si on fait comme tout à l'heure, qu'il arrive à appâter la vague de Locust avec ses marines et à reculer pour éviter le friendly fire des tanks, c'était il pas fait. Il reprend la même position. Il force. Il faut siéger les tanks maintenant. Parce qu'il y a énormément qui arrive du côté Zerg. Le dégât colossal. Les villes corrosives qui sont pas suffisamment envoyées sur les tanks. Par contre, ce CC qui va commencer à prendre énormément de dégâts. Il y a énormément de piles. Et c'est également les Medivacs qui sont en train de tomber. La ville corrosive qui était pas loin de péter le CC. On a réussi à le maintenir en vie. Hein. Mais le Zerg, il a pu. Hein. Il est là pour repartir sur deux. On tire du côté de ses spéciaux. Comment il fait pour tenir? Je sais pas. Et il tient, il est en train d'attendre son 2-2. T'as encore une minute à tenir. Tu vas te retaper au moins deux vagues de locus avant d'avoir le droit de souffler. Là, faut avoir posé le petit marine pour essayer de bait les locus en espérant. Il y a 17 marines. C'est faut bait les locus. Il prend la vision avec le roach. Mais qu'est-ce qu'il joue bien? Mais qu'est-ce qu'il joue bien? Oh, en plus il était en plein milieu du passé là, il Loku. Est-ce que c'est pas la fin, mon cher Fugaji? Gigi! Game. Très 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 gros BO là entre Rogue et Spécial sur cette game numéro 3. Ça manquait de pas grand chose. Mec, le call Roach Ravageur Swarmost avec le 2-2, c'était pas con en plus hein, de la part de Rogue. Il a hésité énormément, il l'a fait fonctionner en tout cas. C'est là où tu vois que c'est vraiment un génie. Là, j'ai une fenêtre, vas-y, j'arrête de faire le con à vouloir faire une transition et à suivre son rythme. Non, je le bute. TKL, un petit mot sur ce match. C'est cette idée en fait de justement pas suivre le rythme de spécial qui, je pense, a été la dynamique principale de ce match là. Parce qu'il y a vraiment un moment où on se demande même si Spécial il va pas repartir mecha et où du coup Rogue en restant dans cette dynamique de Roach Ravageur Swarmost, il serait resté dans le bon. Alors que s'il partait directement sur des upgrades de contact, des Bane, tu le fais avoir parce qu'il y a quand même 3 factories sur le terrain. C'est un fake mecha extrêmement commit. Donc il faut que tu puisses continuer à assumer en fait les switches de technologie potentielles de Major. Et du coup, il décide pour ça de rester sur des Locus, mais de très bien choisir comment utiliser ses Swarmost, comment prendre ses fights aussi. La qualité des prises de fight de Rogue est juste insane. Tu sais, genre quand il engage dans les tanks, il met toutes les villes dessus. Le cafard, tu l'as mentionné, qu'à la fin, qu'il a juste en prendre la visu, qu'ils étaient sur les tanks. Genre, c'est trop stylé. Ah tu reconnais du Yogo en plus, sans ça, hein, évidemment. Le fait de se déplacer sous terre, c'est un classique. Hein. Ouais, puis et puis tu vois aussi le truc, genre tout bête, c'est des fois peut-être il s'est dit, genre, Rogue, tu vois, mon adversaire fait un truc compliqué.
et j'essaie de faire un truc compliqué pour le suivre, mais je vais forcément avoir un coup de retard parce qu'il sait déjà ce qu'il fait et pas moi. Genre, en fait, je joue simple, mec. T'es en train de diversifier ton tech. Moi, ouais, je fais. Bah, en fait, je fais que du Roach et du Swarmost, mais je fais le 2-2. Et vu que t'es en train de faire deux techs différents et qu'en plus qu'ils ont du retard, bah, ils se retrouvent finalement avec des unités 1-0. Lui, il a du 2-2. Et bah, tout connement, en fait, ça lui permet de bien m'échanger. Ouais. Parce que là, les mêmes dernières 3 minutes avec en fait la bio qui est 2-2. Je pense que ça tient, tu vois, ouais. Et qu'il est obligé de faire autre chose. Mais il t'as 3 secrets d'écart. Il met vachement de temps à le payer, ce 2-2. Il a les ressources avant, mais il est tellement en train de se dire faut que je refasse de l'écho, faut que je fasse des units. Parce que ça se trouve, il est en train de me go, ça se trouve, il est en train de commit sur cette agression. C'est pour ça que moi, je m'attendais vraiment, d'autant que à la fin du all-in, entre guillemets, en tout cas de la première grosse agression de Rogue, donc avec le Drop Queen, les Roach, les Ravageurs, il refait 10 Roach. Et je me dis, il va essayer de terminer la game. Et c'est le moment où d'ailleurs Spécial commence à poser ses bâtiments de prod. Et je me dis, il va crever, tu vois. Et là, il reste chez lui. Et en même temps, je me dis que c'est une erreur de la part de Rogue. Mais en réalité aussi, c'était une manière de dire, j'ai ce qu'il faut si jamais il y a du run by de Hélion qui part de l'autre côté pour pas perdre de l'écho. Mais par contre, du coup, j'ai des unités que mon adversaire va voir qui va le forcer à peut-être mettre en priorité des units. Alors qu'à ce moment-là, il peut très bien envoyer le 2-2, peut-être même le plus 2 d'attaque des tanks. En tout cas, c'est ça qu'il aimerait mettre en place. Et il le fait pas à cause de ça aussi, je pense. Mais parce qu'il est sous pression de ouf. Elle était tellement intense, la phase de multitask que Rogue il a balancé en mode what the heck. Il y avait des cafards, des links partout. Et puis, c'était quoi le like ? Il y avait cette dynamique où, ouais, t'as 3 factories, tu fais tes tanks 3 par 3. Ah, les drops Link B1 aussi. C'était vachement cool. Mais en fait, vu que tu joues pas mecha, t'as pas une couche de cyclone et de hélion pour protéger contre les Roach et les Ravageurs. Donc les Roach et les Ravageurs, quitte à mourir, ils vont caler les billes corrosives et Locus tue tous les Marines. Mmh. Donc on va pouvoir écouter l'interview de Mr. Lou. What were you thinking? Like, how did you feel? 우선 너무 축하드립니다. 이제 첫 번째 세트를 지셨는데 어떤 심정이 들던가요? 일단 첫 번째 세트는 제가 빌드에서 너무 크게 갈렸기 때문에 이길 수가 없는 게임이라고 생각하고 그냥 손풀기로 그냥 메카닉이라고 생각하고 찍고 했는데 메카닉이었으면 좀 더 잘할 수 있었을 텐데 바이오닉이라서 이건 절대 이길 수가 없다고 생각했었고 그냥 손푼다는 생각으로 게임을 했던 것 같아요. So during game one, I think it just because of the builds that I'd lost, and I just was okay. So this, I can't win this. So let's just relax and try to warm up for the next games. And that's what I thought after game one. And let's talk about game three, because Special here had a little special build with Mech and Bio. Have you ever played against this kind of build? And how did you play? 이제 3세트 얘기를 할 텐데 약간 스페셜 선수가 진짜로 약간 스페셜한 빌드를 가지고 왔어요. 메카랑 바이오를 섞었는데 이런 빌드를 해본 적이 있으신가요? 그리고 어떻게 경기를 풀어나가셨나요? 저 빌드를 그냥 신영이 형이 개인 방송에서 하는 거를 본 적은 있는데 당해본 적은 없었어요. 근데 제가 올인을 막히고 저도 근데 나름 할 만하다고 생각해서 몰아붙이면은 바이오닉이 갇혀지기 전에 끝낼 수 있을까라고 생각은 했는데 투드랍십에 너무 휘둘려가지고 거기서 좀 말렸던 것 같긴 한데 그래도 이겨서 너무 기분이 좋아요. Actually, I saw this build during Innovation stream, but I never really I've never played against it. And 뭐라 그랬죠? 죄송합니다. 신영이 형이 한 걸 보고 제가 게임이 유리했었어가지고 그냥 몰아붙이면 이길 수 있을까라고 생각하고. So, sorry for that. So, I kind of all-in'd, but he was able to defend it. I just kept being aggressive, and I'm relieved that it worked, that I could take the win here. So, you are the defending champion. And so, is there a player here that you're really looking forward to play? 아, 작년에 우승자신데 이번에 정말 만나고 싶은 선수가 있나요? 세랄 선수랑 저그 대 저그 전 한번 재밌는 경기 해보고 싶어요. 그러면은 우승할 자신 있으세요? 솔직히 지금 잘하는 선수가 너무 많아가지고 우승은 생각도 안 하고 일단 8강부터 꼭 가고 싶어요. And I'm really looking forward to play against Serral. I want to play some ZBZ and to show what I can do. And I don't know if I can really win this tournament, but I'll try to get to round of 8 first. So last question. So in the winners match, you will face Classic and you won against him in Katowice 4-0. So does it make you confident? 다음 승자전에서 김도호 선수를 만나게 될 텐데 이제 캐토비치에서 4-0으로 우승을 하셨어요. 그것 때문에 약간 좀 자신감이 있으신가요? 근데 그게 너무 오래된 일이라서 지금은 솔직히 도호 형이 지금 너무 잘하기 때문에 좀 긴장도 많이 되고 좀 아직 확실히 이길 수 있을지는 잘 모르겠어요.
Yeah, indeed. I won against him, but it happened like really long away ago. So, and he's playing really good right now. So I'm still nervous and I'm not sure about that. So congratulations again and best of luck against Classic and back to you guys. Dont effectivement duel de Coréen, duel au sommet, rematch de la finale de Katowice avec Rogue contre donc Classic. Mais avant ça, stat on aura... showtime, mon beau. Mais ouais, stat showtime en PVPVP. Genre, c'est absolument pas fait pour ça. T'as un Will est régulé, Will est chaud, mais qu'est-ce qu'il nous a fait, Showtime? Ouais, Showtime d'ailleurs qui avait mentionné, je sais pas si on en a parlé, mais sur Twitter, que comme d'hab il tombait malade dès qu'il allait aux États-Unis, parce que c'est aussi un des trucs, tu mets du temps à t'habituer à la clim, ouais, à l'air conditionné qui est partout aux États-Unis. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de foreigners souvent qui se plaignent de ça, que ce soit à Austin ou à la BlizzCon. Et du coup il était là, bon, je suis un peu malade, mais j'ai l'impression que Dark l'est aussi, donc bon, j'imagine que ça égalise un petit peu les choses. Il a 2-0 Dark, maintenant faut qu'il aille taper stats, honnêtement. Un bon BO3 est peut-être une opportunité pour Showtime de foutre le bordel. Oh oui. S'il prend cette première game, cette première place. Non, franchement, genre quand on arrive à la BlizzCon, tu vois, comme tous les ans, c'est là, est-ce que les foreigners, ils vont encore une fois se faire complètement massacrer, tu vois, t'es en mode, ouf, ok, non, c'est bon, il y en a, ils mettent les points, parce que genre à aucun moment on était à l'abri que tu vois tous les foreigners se fassent balayer par les Coréens, tu vois, genre Serral compris. Au final, non, ça deliver, et on le voyait dans la signature de Special, genre le mec s'entraîne 12 heures par jour parce qu'il a envie, il garde le régime des Team Kespag, sachant qu'il n'y en a plus qu'une, et comme il disait, même la dernière, de toute façon, ils ne s'entraînent pas tous 12 heures par jour. Il y a des gens qui tryhardent, et du coup, les Coréens se font quelque peu rattraper. Oui, ils sont toujours de loin les meilleurs, mais ça, ces petits specials, Serral, Showtime. C'était un super BO3 en vrai, hein, où Major n'a juste pas du tout démérité. La game 2, il y a aussi la force de Rogue, hein, de gagner une game facile, d'aller choper ce run by de Zergling au pire moment. Enfin, si les Zergling commencent à rentrer dans tes trois bases, tu peux faire tout ce que tu veux si t'as perdu 35 CV, genre il faut quitter, tu vois, ça fait du mal, mais il faut quitter, tu vois, t'as perdu sur ça et c'est comme ça. Quelqu'un qui se met bien ici, mais sur la game 3 on a vu le potentiel du truc, on a vu aussi le potentiel de Rogue de rester bien bien solide, et en vrai je pense que Classic Rogue ça va être un très 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 beau match. Stats Showtime évidemment aussi. Merci pour les tweets. Il y a quatre vues là sur cette personne. Effectivement, les foreigners ne sont pas là pour faire de la figuration. Définitivement pas. Le bon Rock. Là, on t'entend. Ah, excusez-moi. Mais du coup, le bon Rock qui a réagi par une victoire du coup contre Spécial. Malheureusement pour lui, hein, le big qui au final n'aura pas marché. Et qui nous amène du coup vers les Winners Match. Mais avant ça, bien évidemment, avant ces Winners Match, avant ce Classic Showtime, dont on parlera un petit peu au moment de le lancer, bien évidemment, pour se garder des choses à dire. Eh bien, nous, on vous remercie avant tout d'être présents avec nous ce soir, aussi nombreux, bien évidemment. La soirée ne s'arrête pas du tout ici. On continue avec du coup Classic et Showtime juste après. Mais également, Stats et Showtime. Stats et Showtime, pardon. Mais juste après Classic et Rogue. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, pour soutenir le contenu sur Gaming TV, Twitch Prime pour vous abonner gratuitement. Les donations, ça aide aussi. Et si vous n'avez pas les moyens, eh bien, n'hésitez pas à désactiver Adblock pour continuer à nous soutenir de manière parfaitement gratuite et d'en profiter pour voir notre ami l'utile influenceur pendant 5 minutes d'affilée parler à son drone. Salon lui lancer sa casquette dessus. Je pense dans le futur, tu devrais avoir un truc où en fait, si t'achètes ton paquet de céréales, t'as un QR code, tu le scannes et ça te met un adblock en mode c'est bon, j'ai acheté. J'ai acheté, libérez-moi s'il vous plaît. Et je pense que les gens le feraient pour la stratégie pour plus voir la pub, tout le monde achète. Ouais, et du coup, la publicité aurait bien sûr fonctionné. Full rentable. Incroyable. Voilà, c'est plus un budget marketing à la mort moelle-neu. Mais nous, effectivement. On décide pas des pubs. Hein. Pour le rappeler, parce que les gens nous disent vous pouvez pas mettre autre chose, les gars, on choisit pas le catalogue qui passe. On ne peut pas du tout choisir. Voilà. Dans tous les cas, nous, on va vous envoyer justement un petit segment luticitaire juste après ça.